Bonsoir à tout le monde. En content là même. Je ne peux pas imaginer gens content. En content de voir tout ça monde là présent pour lancement campagne. Nous excusez-nous on voit les monde qui si les réseaux en direct là, si problème technique. La loi TV mettre si brin sable dans organisation nous mais nous là nous présent. Oulo bravo. Et un vent nouveau souffle. Sur la Guadeloupe. Il s'était levé dans les années 50 où l'assimilation politique se faisait bousculer
par de jeunes militants communistes. C'est important de rappeler l'histoire. Plus tard, nos étudiants étaient en contact avec d'autres qui faisaient vaciller le vieux monde colonial. En Afrique, en Asie, dans la Caraïbe, ils prenaient le relais. Depuis, notre histoire est jalonnée d'envie de sortir de cette assimilation mortifère, de cette profitation qui nourrit de génération en génération un rejet grandissant. Oui, oui, un rejet grandissant. Une autre alternative en notre ballon, comme on dit chez nous, pointe tout doucement à nouveau son nez. Nous, l'ANG, étions déjà actifs durant les secousses sociales du mouvement LKP. Nous avons espéré une traduction politique qui n'est malheureusement jamais venue. Et la déception fut, je vous le dis, très rude. Elle se lisait sur les visages de tout le monde. Des années plus tard, grâce à notre détermination qui ne faiblissait pas, nous sommes repartis à la conquête des Guadeloupéens. Un journaliste subventionné, de temps en temps, nous a traités de groupuscules. Mais comme souvent pays colonisé, il a omis de vérifier ses sources. Nous sommes aujourd'hui la première force d'opposition de ce pays en nombre de militants, camarades. Nous sommes la première organisation politique du pays sans avoir jamais participé aux élections. Nous neuf et nous en l'eau, en l'eau, en l'eau, en l'eau, en l'eau. J'ai très récemment croisé une équipe de campagne à l'odeur de naphtaline, une équipe imprégnée des idées du XXe siècle qui distribuait t-shirts et promesses de campagne, alors qu'ils sont aux affaires depuis plus de 20 ans. Et gardez l'état pays Guadeloupe, messieurs et dames. J'ai entendu, pas plus tard qu'hier, des gestionnaires de petites régions colonisées nous émettre l'idée d'un changement à venir, soi-disant, alors qu'ils ont gentiment préservé le cadre institutionnel et se sont toujours contentés de lever la main pour aller pisser. Ils s'émoustillaient en rappelant au peuple qu'ils étaient ceux qui parlaient à l'oreille du président français et de son mouvement En Marche. Ils nous vendaient du doudouisme à longueur de temps à chacun de ses passages en colonie. On ne peut manger que ce qu'ils ont décidé de nous vendre. On ne peut qu'appliquer leurs règles. On ne peut qu'être les spectateurs d'une vie où quelquefois ces messieurs de Paris nous laissent choisir gentiment la couleur des murs de la case, sans jamais nous laisser dessiner et construire la maison comme nous l'entendons. Alors, on doit encore se contenter de les regarder gérer nos frontières depuis Matignon, d'observer les avions qu'ils ont autorisés à glisser dans notre espace aérien sans jamais que nous ayons notre mot à dire. Nous sommes assignés à danser pour les touristes qui arrivent. Alors, tout ce qui sort de notre bouche ne peut exister sans la validation de l'autre. Longtemps, avec le peu de militants qui composaient notre organisation, certains croyaient la tâche ardue, sans espoir. Ils pensaient difficile d'avoir ce souffle nouveau qui débarrasserait l'espace de l'odeur nauséabonde de la soumission, de l'aplaventrisme, de l'agenouillement, de l'absence de dignité. Longtemps, nous avons cru que seules les générations futures pourraient s'émanciper de cet arbitraire colonial, de cette tutelle séculaire qui nous empêchait d'être nous-mêmes.
pour préférer être l'autre, pour manger comme l'autre, pour adopter les normes de l'autre, pour finir par penser l'autre comme unique référent sur tous les aspects de notre quotidien. Mais le vent s'est levé. Il s'est levé, mes frères, et un souffle nouveau qui prend sa source de toutes les expériences d'hier s'est mis à nouveau à souffler. Nous sommes la tribu des hommes et des femmes à la verticalité non négociable, à l'intégrité sans faille. La grande tribu des hommes et des femmes fiers de nos idées, émancipatrices, fiers de vouloir entendre sonner l'heure d'une Guadeloupe qui prend ses responsabilités. Tendez, on va souffler, camarades, on va à la liberté. Rouleau, nous j'a gagné. Pendant toute campagne-là, nous pouvons parler des fiscalités que nous voulons décider nous-mêmes pour tout l'argent à Guadeloupe et servi pour le développement à Guadeloupe. Nous pouvons parler des autres de manger nous qu'à récolter et produire pour nous-mêmes. Nous pouvons parler de l'école en nous, construite pour Timoun en nous. Nous pouvons parler des pays Guadeloupe, original là, mes frères, original là, pas photocopie là, que nous voulons aménager si l'on vision en nous. Nous pouvons prendre temps pour terrer le conseil régional Ayola et départemental Ayola. Comptez-nous pour construire en Guadeloupe, en parlement, avec compétences nous qui décidons de prendre ensemble. Comptez-nous pour construire d'autres Guadeloupe. Et à carré des autres, roule bravo, nous j'a gagné. Merci, on peut. Alors, Akaibay maintenant la parole à Antissé qui rejoint nous en mouvement là et qui capote bon manœuvre, Laurence Makiaba. Merci, on peut. Bonsoir, merci tout le monde. Alors, c'est la première fois que je fais un truc. J'ai fait l'eau, putain, viens, moi. Mais si on m'avait dit il y a un an que je serais là debout à conférer, à faire un meeting, en théorie, parce que fait politique, comme Charlotte dit, c'est toujours les mêmes bités, en fait. C'est de raconter un certain nombre de promesses, de dire qu'on peut changer, qu'on peut faire, Et bien là, regardez, il n'y a pas qu'à faire. C'est goumé entre eux, c'est dit, un tel m'a trahi, un tel m'a pas trahi, un tel a qui si, un tel qui ça, ça. Les juifs arrivés, tous ces mounas à cabre, même moi, on m'a eu ensemble. Yo tout yo ensemble tout moun ka goumé ba yo fami ka chiré mais yo ka continuer tisi malgré yo et ban moins politique sont bien qui important pas pour dire que politique pas intéressé mais c'est longtemps t'ai envie faire ça envie réfléchir si qui j'ont ka faire en loi ka ça ka servi qui j'ont ka changer vie en moun avec un texte de loi avec une décision ka prendre quoi décider que ou ka mettre ti moun l'école mais c'est ça yo ka apprendre tout ça c'est politique et nous on l'a là ka faire politique les Florence qui a décidé, qui a fait un spectacle pour dire que madame ni doit chanter, qu'elle ni doit faire débiter depuis longtemps en Guadeloupe, c'est politique qu'elle a fait. Les David qui a dit, quand je change mon pays en commençant par une rue, c'est politique qu'elle a fait. Les Julie qui a dit, qui a fait jardinage avec un miel, qui a changé cité, c'est politique qu'elle a fait. Nathalie aussi, c'est politique qu'elle a fait. Nous toutes là, en certaines mesures, nous avons essayé de changer, tout ça nous paie. Et nous toutes là, nous en l'eau, qui n'a pas été rentrer dans ces jeux-là, ça. Qui pour nous, nous envie de faire des bitins qui sont cohérents, qui sont concrets, qui ont changé la vie à nous. Et si j'ai mis des belles chemises, des belles cravates, devant bitin à l'État français, arrêté à l'aéroport, qui attendent tel ministre qui arrive, à pas ça, nous avons envie de faire. Donc nous n'avons pas de café. Sauf qu'en février, Tibi qui dit en nous là, il prend bout. Parce qu'en février, nous voyons que nous sommes impuissants. En février, nous voyons, on préfère, quand il a la télé pour dire nous, il a fait mon rentrer, même si ni Covid, parce que c'est l'hospitalité à la française. À Don Réunion, il a dit tout le monde, nous votons, bah yo, ça met bouche azote. À pas frontière azote, c'est en moins. Et tout ça, ça a obligé nous voir que nous ne pouvons pas faire considérer, nous ne pouvons pas faire semblant encore, nous ne pouvons pas arrêter la cagade, qui a dit, moi, Adam, rien, moi, Adam, entreprise en moi, Adam, festival en moi, Adam, tel bitin en moi, en Jacques a fait politique, donc ça suffisant.
Et depuis nous joindre en août, celle qui t'en a voué, c'est que nous pas tout seuls qui a songé sans quoi en nous. Vincent, qui de ton côté, chaque année qu'a fait sondage, et chaque année sondage a dit les questions identitaires, les questions de changement, d'évolution statutaire n'intéressent pas les Guadeloupéens. Nous commençons, nous sommes local à Radical, nous sommes à 30 ou 40, nous 700. Nous 700. Et si vous bien regardez, nous pas fait pas publicité pour dire que nous jouons nous. Je ne vois pas ça marqué pour côté. Nous pas fait pas bité pour dire que venez avec nous vous asseoir. Et chaque 700 là, c'est 700 moun qui s'y pour coûter, ou là nous te veille. Chaque 700 moun là qui là, c'est moun qui vient là en conscience. Et qui vient lever l'idée que nous ne pouvons pas arrêter comme ça. Nous ne pouvons pas garder un préfet, garder de luxe, garder tout le monde chaque semaine pour dire nous, est-ce que nous n'y devons pas entreprise en nous. Nous ne pouvons pas dire nous, est-ce que ce préfet là qui a dit aussi, si moun là qui est en France, qui n'a pas ni l'école, peut venir voir à casa, est-ce que ça suffisamment impérieux? Que préfère la cadio, que peut pas te grand-mère, parce que ça pas suffisamment périlleux, ma préfère là. Et chaque 700 moun là, ça, et nous l'autre encore, savent que nous arrivons au bout à l'histoire. Que nous arrivons au bout à l'histoire et que nous obligeons quelque part, hein, d'aller plus loin dans dimension là, ça. Nous, on dit ce qu'il a, qui a dans chanson qu'a dit, on l'a même qu'à bailler, si on l'a même qu'à dicter ça qui taille. Son proverbe en tout. Allez là, faut s'aimer en nous qui ban nous. Et c'est ça nous qu'a dit, il faut nous ni compétences en nous, compétences fiscales en nous pour nous payer, gérer l'argent en nous qui est en nous et puis nous peut organiser nous pour faire ça nous veut, gens là nous veut faire. Et même s'il y a pas grand ouacha, et même s'il y a pas grand bâtiment, elle fait des grandes belles vites, elle fait plein SDF en bail parce que nous pas tenir l'argent pour faire. Parce que nous pas tenir l'argent pour mettre moun dedans pour organiser. Ça pas servir à rien des grands bâtiments, elle vaut pas ça pour répondre petit moun. Ça pas servir à rien des grands bâtiments, elle veut les petit moun encore à l'école, celle bité qu'a prendre ni secret ni des solutions. Yon si ou ka rate tout ça ou fait opérer en Guadeloupe, l'autre la prend billet d'avion. Cherche ou la Canada yé. Cherche ou la Paris yé. Cherche ou la Japon yé. Parce que pas n'y a rien pour Occident. En te cas, la politique son bité ka intéressé. Moi, j'ai l'occasion de travailler, faire des réunions avec des moun autour de l'éducation. En tant que moun en rectorat dit ça. On ne pourra pas donner un emploi à chaque jeune Guadeloupéen. Et donc là, nous avons un système où presque 47% à moun a don l'année ka pati durablement pa ka vivre en Guadeloupe. Vous faites en Guadeloupe vous ka pati parce que pas ka voye bout. Moi apprendre l'environ en Guadeloupe en 2012 qu'un désirat-il il est à désirat ni plus espèce végétale qui l'ensemble à la France. Bastien ni plus qu'il Europe. Marie galante plus encore. Et veillez ka apprendre nous les nous l'école ka pa ni bout. Si vous trappez bac, c'est pour un billet. Donc 80% c'est là qui trappez bac capati. Et la moitié là qui pas qu'arrivé juste au bac, pas ni rien baillou. C'est fait un coup la jol. C'est pointé au chômage. Pas l'emploi qui bon, mettre débiter en rayon bac au fond. Mettre travail de cadre, travail de réflexion, tous ces bitan là ça pas ni ça baillou. Et au cas où quelqu'un arrive ici dedans, nous avons tout sur Facebook qui a dit, je cherche une maison, 3 pièces, 2 500 €, s'il vous plaît. Obligé, les vous qui passent avec petit salaire, petit cas là, à 2-3 chambres, fin bat ou pas, ni encore. Au cas où quelqu'un arrive ici dedans, vous avez acheté des terrains, vous avez acheté des tributaires. Et nous avons vu ça, nous ne pouvons pas faire rien. Et c'est ça que nous avons dit, Biggie dit en nous, il faut y bout. Nous ne pouvons pas chaque fois commander Paris, commander Bruxelles, commander tout le monde. Et qu'est-ce que nous faire? Et qui nous peut organiser? Qui nous peut faire un bitin? Qui nous peut avancer? Qui nous peut. Il faut nous bout avec ça. Et donc, c'est tout sens à travail là, nous avons fait là. Et nous avons travaillé à ce bitin qui sont observatoires pour permettre justement que l'anti monde qui va au collège, nous sommes capables de dire dans 5 ans, dans 10 ans, mais c'est là nous qui avons besoin de travail. Et il faut nous capables de dire c'est là qui parti. Nous savons que nous avons étudié tel métier. Nous qui besoin ça. Faut vivre à casa. Et donc nous quand réfléchir à des solutions comme ça qui pas extraordinaire, qui pas à coûter l'argent, qui pas besoin mettre Bruxelles, qu'on mette Paris, qu'on mette tout le monde habité, c'est nous-mêmes qui peut organiser. Parce que je là qui j'ont petit monde qui a choisi qui étudie café. Yo ka bay un petit fascicule à la France. Il n'y a qu'à parler d'énergie, de croissance verte, de croissance bleue. Mais croissance verte en nous, c'est croissance verte à yo?
toute biodiversité là qu'as en nous. Croissance bleue en nous, c'est croissance bleue ailleurs. En part quoi, c'est même bitel là. En part quoi, c'est même bitel là, du tout. Donc nous en réflexion que nous capoter si ça pour dire, faut nous intégrer jeunesse là depuis le début dans l'environnement. On peut pas qu'à grandir comme ça. Elle veut qu'à comprendre que c'est le métier qui est disponible, c'est chargé de communication, comptable et débiteur comme ça. Alors que nous on pas qu'à d'autres métiers qui existaient. Que nous capter de coraux, nous d'être capter dans 20 ans 90% des coraux de Guadeloupe. 90% des coraux de Guadeloupe nous capter d'eau. Nous avons les lettres qui n'ont pas qu'être plantes ou pas qu'être fleurs, nous capter d'eau toutes aussi. Parce que nous pas savent qu'à ça y est. Nous capter les de biodiversité. Nous captons une belle plage, nous captons un bel paysage, mais nous pas qu'à voir que derrière c'est manger pour nous. Nous pas qu'à voir que derrière que c'est organisation pour nous, que c'est usine que nous pouvons créer, que c'est des pôles d'emploi que nous pouvons faire. Et ça, on a envie de dire autre chose là, c'est que nous toutes savons que ça n'a pas qu'à marcher. Alors nous pouvons dire que c'est faute à X, que c'est faute à Y, que c'est faute à tel, que c'est ce système là qui n'est pas bon, mais c'est faute en nous aussi quelque part. Et aujourd'hui là, nous avons l'opportunité de dire que nous voulons faire des bitins pour nous-mêmes, mais pas en nous-mêmes. Ça ne veut pas dire faire grand ou achat. Hein? Ça veut dire que nous prenons le temps de réfléchir, mais quelle société nous voulons? Est-ce que vraiment on réussit les ou acheter un gros 4x4, les ou acheter un gros pick-up, les ou acheter un gros case? Et si nous n'avons pas savoir qui j'ai caï, il pas bien à casa. Est-ce que on réussit? Est-ce qu'en société réussit les ou qu'on voit tout ça jeune qui en la rue là et qu'on peut pas répondre? Est-ce qu'en société peut dire qu'elle réussit les ni tout ça jeune qui arrive en prison pour un petit joint, pour un petit faute yo fait? Parce que pas vous qui jugez yo. Est-ce que on peut dire qu'au son société qui réussit l'entreprise ne peut pas développer? Faut demander Paris, excuse-moi, s'il te plaît. Viens avec moi, t'asseoir sur la table pour que je puisse parler avec Trinidad. Donc, allez, là, faut nous poser nous la question de qui société nous veut. Et ça, encore fondamentalement, que si nous là, et si nous là, kagade, et si nous là, si nous là, et si nous prenons quatre autres, c'est que nous savons qu'il n'y a moyen de faire différemment. Et que seul monde qui peut porter solution là-bas, nous, c'est nous-mêmes. Et si ça, tu as envie de nous autres, au sol là, nous n'avons l'opportunité, j'aude là. De travail pour nous-mêmes, par nous-mêmes, de gérer bitan nous-mêmes, pour nous las garder moun di nous, qui j'en pour faire et à qui moment nous réussi faire. Tant que ti moun en nous, qui en la rue là, nous peut arriver. Tant que nous-mêmes, nous peut pas développer et pas nous en payant nous, eh ben nous pour arriver là nous veille. Merci. Laurence Makiaba. Ça va être difficile de passer derrière, mais bon, on va faire ce qu'on peut. Alors moi aussi, si on m'avait dit qu'un jour je serais un pupitre pour faire un meeting politique, je pense que j'aurais rigolé, pas trop près, d'accord, comme ça. Mais tu vois, je n'ai pas l'habitude, j'ai plutôt l'habitude des micros sur scène, voilà. Donc je vais essayer, voilà. En tout cas, merci, merci. Et comme le dit Charlotte, je pense qu'on a déjà gagné plus de 700 adhérents, un mouvement qui a pris forme en moins d'un an. On sent une véritable force qui est en train d'arriver. Et ça, je pense qu'on peut nous applaudir très, très fort parce que c'est déjà une première victoire. Ce soir, je vais m'adresser à tous les entrepreneurs guadeloupéens, surtout les petits. Tous ceux qui, tous les jours, se battent dans leur coin comme des acharnés juste pour survivre. Nous sommes des milliers dans tous les secteurs à faire avancer ce pays en créant de l'emploi, de la richesse, de la valeur ajoutée. Et pourtant, nous sommes toujours les laissés pour compte du système. Système qui ressemble, vous en conviendrez comme moi, toujours à une plantation. Personne ne vient jamais nous demander notre avis. Personne ne vient nous demander de partager notre expertise dans nos domaines respectifs, alors que nous sommes les chevilles ouvrières du système économique guadeloupéen. J'ai eu l'occasion de l'expérimenter à mes dépens en tant que gérant de la CASA, établissement qui, pendant près de 18 ans, a dynamisé le tissu culturel guadeloupéen sans jamais être pris au sérieux par les décideurs politiques. La CASA a été enviée par toute la Caraïbe, véritable vitrine culturelle de la Guadeloupe à travers le monde, et pourtant dénigrée, je dis bien dénigrée, par les politiques en charge de la culture. En pas nommé nom, mais aucun reconnaît d'autres. Peut-être est-ce dû à ma forte personnalité, que sais-je. En tout cas, ils ont dénigré cet outil qui aurait pu être un formidable outil de développement pour la culture guadeloupéenne. Mais dans tous les combats, il y a des enseignements à tirer. J'ai cru que seule la force de mon travail, ma créativité, je pourrais durablement changer les choses. C'est faux. Seul, on va plus vite en s'essoufflant, mais ensemble, on va plus loin en se soutenant. Aujourd'hui, nous, les petits chefs d'entreprise,
Nous n'avons plus le droit de garder le silence dans notre coin. Nous devons nous engager, nous organiser. Il n'y a pas d'autre solution pour faire entendre notre voix. Nous devons lever la tête de notre guidon et regarder autour de nous et sortir du système limitant du « je » pour embrasser le « nous ». Et quand je parle de « nous », je parle bien de ce « nous » fondamental, c'est-à-dire de tous les Guadeloupéens, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau, leur culture, leur religion, qui aiment leur pays. Car la seule chose qui compte et nous rassemble, c'est l'amour que nous portons tous au pays Guadeloupe. Si tu veux changer ton pays, commence par changer ta rue, ton quartier, ta ville. C'est cette philosophie que j'ai mise en pratique dans la rue Gilbert de Chambertin à Pointe-à-Pitre, que tout le monde connaît maintenant, mais que personne ne connaissait il y a quelques années. Redonner vie à une rue à travers des activités économiques, à travers des projets ayant du sens. En faisant le pari de m'installer dans une rue quasi abandonnée de Pointe-à-Pitre, j'ai voulu me prouver qu'avec un simple rêve, on peut tout transformer. Mais je ne l'ai pas fait seul. Mes voisins, les rares commerçants de la rue, les associations comme Plus Belle la Rue m'ont accompagné. Et c'est nous toutes qui changeons la rue, là. Nous baillons l'amour, nous baillons la vie. C'est ça qui est belle. En face de moi, j'ai créé une petite place Guy Conquête. Elle sert tous les jours un petit laveur de voitures qui lave des voitures depuis 20 ans à Pointe-à-Pitre et qui n'avait aucun lieu pour laver sa voiture ou pour faire laver les voitures. Voilà quelque chose de très concret, de tout bête, une dent creuse qui ne servait à rien, qui a été rénovée et qui aujourd'hui crée de la valeur ajoutée. Si tu veux changer ton pays, commence par changer ta rue, ton quartier, ta ville. Mais surtout, commence par te changer toi-même. Si nous voulons construire un pays, il nous faut d'abord le rêver, mais surtout le désirer plus fort que tout au monde. Nous avons tous et toutes la Guadeloupe inscrite dans notre ADN. Il est juste temps de nous mettre ensemble, de sortir de ce jeu des égaux habilement entretenu par le système colonialiste français pour nous, voilà, pour nous réunir enfin et construire notre nation Guadeloupe. Je dois vous avouer qu'au début, m'engager en politique m'a un peu effrayé, mais je me suis rendu compte, en fait, comme Laurence et comme tout le monde, que tout le monde, je faisais déjà de la politique. Aujourd'hui, à travers l'ANG, j'ai su trouver des camarades de ma génération, mais aussi des anciens militants du mouvement patriotique, une mouvance jeunesse inspirante, mais surtout des frères et des sœurs animés du même amour que moi pour notre pays Guadeloupe. Grâce à l'ANG, et ça c'est peut-être la chose la plus importante que j'ai compris, que ma personne et mon action n'avaient aucune valeur si elles ne s'inscrivaient pas dans un processus collectif, dans un sens commun tourné vers une seule et même direction, la construction de la nation Guadeloupe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, David Drumeau, restaurateur fermé depuis le 19 avril, je m'engage de toutes mes forces aux côtés de la liste Nous, menée par notre capitaine Ronald Selbonne. Votez et faites voter Nous. Je vous demande d'accueillir Madame Patricia Braflantrobo. Merci, bonsoir à tout le monde. Alors, je suis aussi un peu surprise d'être là parce que je n'aurais jamais pensé faire une intervention pour mon ami Ronald se présentant aux élections. Parce que nous, parce que Ronald et moi, c'est une très, très vieille histoire de Fouillol, année 83-84, où j'ai passé ma première année d'économie à crier « Libérer les prisonniers politiques ». Et ce n'était pas ça qu'il y avait à l'examen. Donc, vous avez déjà compris que j'ai dû refaire une vraie année. Et ma mère m'ayant fait comprendre que le prochain prisonnier politique, là, c'était que moi. Donc, après, j'ai vraiment fait des études d'économie à Fouillol. Mais on a passé une très grande année, 84-85, à crier libérer les prisonniers politiques. Et parmi ces prisonniers politiques, il y en avait un qui est assis là, Joël. J'avais même pas fait le lien. Donc, voilà. Pourquoi je dis tout ça? C'est pas pour rien non plus. Parce que ce moment que nous vivons, c'est un moment qui est inscrit incontestablement dans l'histoire de la Guadeloupe. Le 28 mai, j'ai fait une conférence à Sainte-Anne avec Marie-Hélène Lomuno, Julien Mérillon, Estella, j'oublie son nom de famille, qui est une prof d'histoire, et la thématique, c'était « Camé 67, Pépotébanou ». Et j'ai évoqué les listes qu'il y avait au régional en disant qu'incontestablement, leur discours était marqué par les apports de mai 67 et les événements de mai 67, parce que ce sont des événements qui ont appelé à la prise de conscience guadeloupéenne et des Guadeloupéens sur ce qu'ils sont.
Mais pour aller plus loin, cette liste « nous » que l'on retrouve dans ces élections aujourd'hui est incontestablement le fruit de toute cette histoire qui s'est cristallisée à un moment en mai 67, dont nous avons été les porteurs et qui se retrouve ici, où des jeunes se retrouvent à porter à nouveau le témoin. Alors, cette initiative, pour moi, c'est une initiative osée. Elle est osée pour trois raisons. La première, c'est que tout le monde sait, je crois que Laurence Makiaba en a parlé, tout le monde en parle depuis un moment, tout le monde sait que le système a atteint ses limites. Le système départemental dans lequel nous vivons, tout le monde sait qu'il a atteint ses limites. Mais aucune politicien, aucune politicienne ou aucun politicien de la classe politique classique n'aurait osé franchir ce pas et dire « nous menons une liste différente pour un projet différent, un projet politique différent pour la Guadeloupe ». La deuxième raison pour laquelle, pour moi, cette initiative est osée, je vais vite, hein, vous avez bien compris, c'est que le programme, il est réaliste, mais il y a une part de rêve dans ce projet. Et le tout, ce n'est pas d'avoir un projet économique réaliste. Le projet économique peut être réaliste, mais si vous ne donnez pas du rêve, si vous ne donnez pas une vision de la Guadeloupe qui est celle que nous espérons, nous sommes nombreux à espérer depuis très longtemps, je crois que ça n'a pas beaucoup de sens. C'est qu'on mange qui panier, ni sel, ni piment, ni aïe, réaliste, mais il y a du rêve. Donc, on a envie d'y aller, on a envie de se dire, ben, tiens, ben, on va essayer, on va tester, on va voir ce que ça apporte. À espérer, c'est un programme qui donne à espérer que les Guadeloupéennes et Guadeloupéens peuvent diriger la Guadeloupe dans l'intérêt du peuple guadeloupéen. La troisième raison pour laquelle cette initiative est osée, c'est la remarquable implication dans un tel mouvement des jeunes et des femmes qui ne sont pas là pour faire la parité ou le nombre. Parce que je suis un peu les vidéos et les publications de l'ANG et ça se voit qu'il y a une vraie implication. Et les femmes ne sont pas là pour passer le micro ou les parafeurs. Et mesdames, si on vous demande de passer les micros, les parafeurs, vous ne le faites pas. Vous demandez aux hommes de passer les micros et les parafeurs, et vous êtes en tête de liste. On arrête ça, les lingettes, les machins. C'est bon, quoi. C'est bon, voilà. Parce que pourquoi j'ai vu une présentation de liste il n'y a pas longtemps, et c'était des femmes qui étaient en train de courir, donner des lingettes, passer des parafeurs. C'est pas que ça, notre rôle. Je suis désolée. Donc, voilà. Et j'ai une fille de 23 ans. Je lui ai dit, le jour où je te vois passer un parafeur quelque part, en cas juré au sac et balle fine. Donc, parce que c'est une représentation que nous devons enlever de nos têtes. Que les femmes sont là pour passer les plateaux, passer les parafeurs, passer les lingettes. Non, il faut arrêter. Faites les hommes passer les parafeurs, faites les hommes passer les lingettes, pourquoi pas. Donc, c'est pour cette raison que moi, la place que j'ai vue que les femmes ont prise à l'ANG, m'a plu. Et je vous demande de rester dans cette place. C'est la vôtre. Voilà. Pour moi, c'est important. Voilà. Donc, la prise en main et l'appropriation. Alors, voilà, l'implication des femmes, excusez-moi. Ça, c'est à souligner, car ces jeunes sont autant de graines plantées par l'ANG et toutes les ANG à venir. Nous étions dans les années 80, je le disais tout à l'heure, les graines que certaines et certains, Roland Hezelin, Roland Tesouros, Sylvie, Suzy Anduze et bien d'autres, ont plantées. Beaucoup d'entre nous sont là aujourd'hui dans la construction consciente de notre pays. Beaucoup ont dit tout à l'heure, je ne fais pas de politique. Moi, je fais de la politique dans tous mes ouvrages, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, dans tout ce que j'écris, je fais de la politique. Je ne brigue pas de mandat, mais je fais de la politique. Tout ce que je fais, c'est de la politique. Ça, c'est catégorique. Voilà, on n'est pas obligé de briguer le mandat pour faire de la politique. Donc, la construction consciente de notre pays, nous devons donc déjà le transmettre le flambeau. Nous qui sommes là, nous qui ne sommes pas si vieux, la génération de Ronald et moi, Nathalie, nous devons donc déjà transmettre le flambeau. Je crois voir ça à l'ANG quand je vois ma petite Meryl, que j'ai connue bébé, sur la liste. Quand je l'ai vue sur la liste, je ne peux pas imaginer ce que ça m'a fait. Je me suis dit, mon Dieu, c'est magnifique. Parce qu'elle a au moins choisi un milieu où s'ancrer
Et ça, moi, je trouve ça magnifique. Bref. Compte tenu de l'évolution des mentalités, et particulièrement de celle des jeunes qui ont farouchement raison de vouloir leur place en Guadeloupe, leur pays, cette initiative de la liste Nous, et menée par l'ANG, donne énormément d'espoir. L'ANG va dans le sens de l'histoire de la Guadeloupe, de mon point de vue. La prise en main et l'appropriation du drapeau guadeloupéen, à laquelle j'assiste depuis quelques années, annonçait selon moi largement ce phénomène. J'ai su que nous avions franchi une étape quand j'ai vu ce drapeau décliné et en robe et en maillot de bain. Le drapeau appartenait désormais aux femmes et aux jeunes femmes. Dans une société, cela a un sens. L'ANG apporte sur la scène politique guadeloupéenne un nouveau souffle qui contribue déjà à faire bouger les mentalités et les lignes chez nos politiciens et politiciennes traditionnels. Cela s'entend dans les discours et les propositions qui sont faites actuellement. Bientôt, l'ANG, fais attention qu'il y a des gens qui sont plus indépendantistes et autonomistes qu'ils ont, en cas senti ça qu'à ville. Les notions d'autonomie et d'indépendance sont maintenant des termes, ça c'est très, très, aussi très important, qui sont utilisés de façon décomplexée, qui ne font pas peur, mais que certains appellent largement de leur vœu de par leur profession. Beaucoup de petits commerçants, beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de personnes qui sont à leur compte sont plus prêts pour l'indépendance ou pour l'autonomie de la Guadeloupe que certains qui ont des positions, on va dire, confortables. Parce qu'ils savent que dans ce système, ce sont eux qui sont en souffrance. Je terminerai en disant que l'ANG va indubitablement, et doit le faire, pousser les politiques traditionnelles à prendre des risques et aller beaucoup plus loin dans la façon de penser les relations de la Guadeloupe avec la France. L'ANG doit continuer à mener son projet au-delà des élections. De cette initiative doit émerger une évolution statutaire concrète pour la Guadeloupe. Bon vent à l'ANG pour cette élection, mais surtout pour le temps un peu plus long de la construction qui se profile à l'horizon. Je vous remercie. Cher Gaston Samuel, voici un message que je te charge de faire connaître aux camarades. Je viens de recevoir le prix mondial Sino del Luca 2021 pour l'ensemble de mon œuvre littéraire. Cette distinction, je l'accueille avec joie et fierté. Mais ce ne sont pas là des sentiments égoïstes. Si la situation sanitaire le permettait, je serais venue en Guadeloupe le partager avec tous mes frères et toutes mes sœurs, et surtout avec les jeunes, réduits à choisir entre le chômage, la violence ou l'exil. On ne le répétera jamais assez. Ceux qui, devant la misère de la Guadeloupe et de la Martinique, ont fait voter en 1946 la loi d'assimilation, se sont lourdement trompés. La départementalisation a détruit toutes nos forces. Aujourd'hui, on ne parle de la Guadeloupe qu'au moment des cyclones ou autres catastrophes naturelles. Elle est devenue un décor touristique pour les étrangers nantis où compte seulement la mer et le soleil. J'avais une discussion avec notre regretté frère Roland Thésauros, disparu récemment, et nous nous demandions pourquoi les fruits de l'indépendance tardaient tant à être savourés. Quelle faute avons-nous commise? Avons-nous manqué de courage et d'abnégation? Ainsi, quand en 1986, je suis revenue en Guadeloupe, ni l'université, ni la radio, ni la DRAC n'ont voulu de moi. Affolée, j'ai alors accepté l'invitation de l'université de Berkeley, en Californie, et j'ai quitté mon pays natal. Ai-je eu tort?
Cependant, peu importe les regrets stériles et les remords tardifs, la lutte n'est pas finie. Il faut garder la foi. Un jour, la terre sera ronde. C'est sur cette note d'espoir que je fais part à tous les camarades de mon soutien et de ma foi en l'avenir. Fraternellement, Marie Scondé. Nous, Guadeloupéens toutes pommes. Chômeurs. Travailleurs. Patrons. Autonomistes. Indépendantistes. Nationalistes. Nous œuvrons à l'émergence de la nation Guadeloupe. Pour nos enfants et pour nous-mêmes. Bien, bonsoir tout le monde. Yécric. Yémistique. Est-ce que la cour d'or? Eh bien, vous portez une grande nouvelle bazote. La cour décidée par Jean Domi encore et d'être occupée des affaires. Yécric. Yémistique. Fini le temps des compères lapins. Fini le temps des feintes de corps avec nous-mêmes. Fini le temps de la débrouillardise. Fini le temps de l'individualisme. Fini le temps du « je ». Faut nous chouiller qu'on paie la peine là qui en dit dans nous. Yécric, yémistique, la cour ne dormira plus jamais. A qui commencer par dire un grand merci, il crie moi capitaine Talela, David Doumo, et ça faut tout le monde savent ça. Non à l'isla, nous, c'est David qui trouve. Donc, un grand rouleau bravo, madame. Quand nous t'a dit l'un de jouer au boule, bon, il partit. Hein? Alors, c'est soit j'ai là, soit l'yon là, à nous de décider. En tout cas, nous serrer puis en nous en calpier, nous dernier monde avant ligne d'arrivée là. Notre participation à cette élection se fait sous le signe du convoi, car nous sommes animés par la certitude qu'il n'y a pas d'autre chemin que celui de l'unité du plus grand nombre de Guadeloupéens autour de la belle idée guadeloupéenne, l'idée de responsabilité et d'émancipation. La responsabilité par l'émancipation par la responsabilité. Les rivets en Técadi, Talela, pour nous arrêter fin, fête des corps et fête à l'esprit avec nous-mêmes. Léon Pep qui a cherché Clété, il a commencé par garder en disant à lui-même, qu'il peut trouver pour éclairer Chiméaï. C'est comme ça, nous mettre devant l'esprit qu'on voit. Qu'est-ce que c'est l'esprit qu'on voit? Le convoi, c'est ce que notre peuple a produit comme élément culturel, fort, afin de résister et de survivre aux dures conditions historiques, sociales et naturelles. Adam qu'on voit, chaque monde qui vient avait sa épée, avait compétence, avait force, avait bonne volonté, afin de participer au travail collectif, en étant sûr que le collectif veillera plus tard à l'aider à régler ses problèmes particuliers. C'est comme ça nous travaillons avant l'élection. C'est comme ça nous travaillons pendant l'élection et c'est comme ça nous travaillons en disant la région. L'esprit qu'on voit, c'est d'abord mettre le travail et la responsabilité au centre de notre grand chantier. Assez plairé en nous travailler, nous qu'a dit tout long aller. L'esprit qu'on voit, c'est s'assurer que chaque participant ne soit pas laissé sur le côté. Par exemple, nous savons à dans problème là qui a touché en l'eau guadeloupéen, c'est problème à de l'eau. Il s'agit pour nous de faire un plan ambitieux afin que chaque Guadeloupéen ne soit pas régulièrement en état de sécheresse. Oui, il faut un plan de réparation des canalisations, mais il faut aussi gérer l'urgence. Nous allons lancer donc cette grande opération de citerne. Les aides régionales qui existent déjà seront augmentées et surtout, nous ferons une large publicité sur cette opération pour tout le monde bénéficier d'elle et nous privilégier citerne qui a récupéré de l'eau à l'appli.
Bien sûr. Alors pourquoi nous insister si c'était nous qui a récupéré de l'eau à la pluie? Parce que nous savons si nous prenons de l'eau là qui a existé là avec ces problèmes à canalisation là, nous avons des problèmes pour remplir tous ces systèmes là. Ça. Les lycées compétences régionales seront ainsi équipés de ce système de récupération très utile pour le fonctionnement de première nécessité. Si la loi ou la norme nous empêche de le faire, parce que quand j'attends des toits tissons à des camarades architectes qui parlaient moins des problèmes y ont rappelé pour installer citernes dans les lycées, ce sera un argument de plus qu'il nous faut absolument changer et la loi et la norme. Changer et la loi et la norme pour que nous puissions produire nos propres lois, nos propres normes pays, comme par exemple en Polynésie française. Nous explorerons toutes les solutions alternatives, y compris celles d'usines de dessalement de mer, d'eau de mer, en négociant au plus près les inconvénients écologiques. Nous serons par exemple attentifs à l'unité de dessalement qui va bientôt voir le jour à Marie-Galante, et s'il le faut, nous allons accompagner la duplication de cette expérience. Toujours sur l'eau, dans le prochain syndicat, nous allons veiller à ce que les usagers aient une voix délibérante. Parce qu'elles sont bien, nous pouvons répéter, lors laisser les élus tout seuls, sous les CEO tout seuls dans le syndicat de l'eau à Yolassa, ils ont été transformés en syndicat du champagne. Nous pouvons proposer aussi que chaque collectivité, systématiquement, tous les années, ils mettent en ligne budgétaire grands travaux pour l'eau. Parce que nous avons un principe qui a dit que l'eau paie l'eau. Ça vrai pour gérer le quotidien, mais pour les grands travaux, ça n'est pas vrai. Donc, il faut les collectivités, syndicats, la piste, toutes les autres collectivités, ils prévoient en ligne budgétaire chaque année grands travaux pour nous pas courir chaque fois derrière réparer canalisation, pour nous faire en sorte que nous sommes dans la prévention. Nous allons aussi toucher à l'octroi de mer régional sur tous les biens communs, l'eau, l'air, la nourriture et l'énergie. Ça qui veut dire que facti à moun ka y baissé. Et si jamais l'Europe dit nous non, que nous pas ni doit favoriser production locale par rapport à habitants qui importent, eh bien c'est qu'on fera encore un argument pour nous sortir du droit européen. L'esprit qu'on voit, c'est faire en sorte nous tout aille en même ballon là. Ainsi, nous allons créer un bureau de soutien administratif afin d'aider les petites communes qui sont dans l'incapacité de recruter des cadres. Pas ni bon travail sérieux, pas ni bon développement sérieux, ou peut faire sous pas ni des cadres compétents, des techniciens compétents. Et pour moun peke fan kwe, que c'est la région et les départements tout seuls qui mènent la Guadeloupe en direction là, nous mènent là. C'est nous toutes ensemble, Désirade, Les Saintes, Marie-Galante, Bouillante, Pointe-Noire, tous ces petites communes là qui loin des grands centres urbains là, faut y aller en même ballon là qui tout restant. C'est ensemble nous qui gagnons. C'est cette même logique qui nous pousse à proposer la multiplication de ruches d'ingénierie technique et administrative sur tout le territoire afin de soulager les entreprises dans leur lancement et aussi dans leur développement. Et nous tendons témoignage à David tout à l'heure là, qui Jean, il racontait nous qu'il a laissé tout seul et il a laissé en l'eau si entreprise tout seul démêlé avec toute tracasserie administrative. Et nous savons français fort dans bita et bita administratif là, faut des fois ni bac plus 30 pour payer comprendre en bita. Ne serait-ce pour garder pour vrai qui aide yo ka mette à disposition, c'est un grand parcours du combattant. L'esprit qu'on voit, c'est fait ça ou pé fait. Ah, donc on voit là. Nous allons lancer une chasse au gaspillage de l'argent public. Fini la multiplication des voitures de fonction, des voyages de toutes sortes. Tous ceux qui bénéficient de voitures et de voyages feront l'objet de publications pour tout le monde savent, pour tout le monde bien savent, pourquoi nous avons utilisé l'argent pour payer les billets, pour voyer les gens pas savent qui côté, pourquoi nous avons utilisé l'argent pour battre une voiture de fonction. Parce que l'esprit qu'on voit,
c'est aussi la transparence sur le travail réel de chacun. Nous irons plus loin que la loi en matière de transparence et de contrôle populaire. A rien péqué caché, pas ni a rien à cacher. Il faut redonner sens et pouvoir au peuple, pas ses affaires qui a fait la région, à pas ses affaires ni mission tel ni main tel. Oui, il nous faut répondre aux problèmes du quotidien. Mais investir le champ politique, c'est investir le temps long. À ceux qui nous assomment avec des kilomètres de routes réalisées, des tonnes de béton à employer, nous répondons par un projet de vie, le projet d'émancipation et de responsabilité guadeloupéenne. Nous ne sommes pas venus participer à un concours de Miss TVA ou de Miss Octroi de mer. Nous sommes venus pour empêcher une Guadeloupe sans Guadeloupéens. Faut tout le monde mettre ça bien en tête à yo. Faut tout le monde mettre ça bien. C'est politique que nous voulons faire parce que son élection politique. Ni en phrase à un camarade en étant, en ayant la chance de contrer, nous militer ensemble, nous-mêmes partager local à journal l'indépendance ensemble, c'est Sonny Rupert. Sonny Rupert a dit Wadon pour Emaï, on l'eau se mettre à deux ou trois. Eh bien, c'est ça que nous décidons de faire. Nous là pour faire nous, vin on l'eau, et c'est comme ça que nous mettons à deux ou trois, c'est comme ça que nous mettons à pays en nous. Et on a dit, très simplement, on a vu tout le monde, ni deux ou trois qui j'ai couru, sorti programme, nous programmons nous qui sorti tranquillement, en temps et en heure, à partir du 8 juin, tout le monde qui est peigné programme là ça. Mais on a dit, grand bonnet, nous arrivons à la région, nous permettez-nous de prendre à dans tout restant à programme à les autres, si ni belle l'idée. Donc, il y a déjà commencé par dire, nous c'est plagiaire, nous c'est copice. Mais nous avons fait. Parce que nous n'avons pas la prétention que le cerveau en nous tout seul capable à inventer toute solution pour Guadeloupe. Donc, si les autres ont une belle idée, nous sommes fouquants avec cette idée-là, ça aussi. Parce que c'est l'esprit qu'on voit. C'est donc un convoi à la Sainte Famille. Il faut nous bien comprendre, projet fondamental en nous, c'est de passer d'une société de consommation à une société de production. Et nous, pas la se répéter, c'est nous qui solution à problème en nous. En cas vrai, j'ai de là, certains ont dit, continuons d'avancer pour garder plus loin. J'ai tourné ça depuis quelques jours en tête à moi, pas qu'à comprendre. Parce que nous, à pas ça, nous voulons faire. Hein? Comme nous j'ai gardé plus loin, donc là, nous qui mettons nous à avancer, à pas pour garder plus loin, c'est que pour arriver plus loin. L'antétibougue à Saint-Louis, a été clergé. Et bon, pas dans pont chapelle, pont l'église encore, mais rester en tête en moins de deux ou trois habitants. Et sans pédit pour bout, c'est que nous pas vins proposer aux autres de traverser la mer Rouge pour aller en terre promise où coule le lait et le miel. Ça nous veut que nous fait ensemble, c'est que nous ancrer nous dans la mer Caraïbe. Et qu'elle nous rivait dans la terre où coule la sueur et la sueur. Merci. Qu'on dirait la perfecta de la Martinique, nous là, nous toujours là. À quand passer la parole à un grand frère, nous pouvons partager
même tel là la lombrique en outéré Marie Galante Joël Lotry Joël Nankin. Oui, bonsoir tout le monde. Mais en comptant, et ça qui connaît moi savent qu'en ému aussi très ému parce que Adam vient un homme là où même grand bonheur prend conscience aura d'autres grands hommes qui fait comprendre que non pas fait comme ça et mort comme ça. Non qu'a fait et non qu'a réfléchi. Ou qu'a regardé là où il est avec qui nous avons marché et vous rendre vous compte que vous pas tout seul. Ou pas tout seul parce que vous ancré dans l'histoire. Et histoire nous en comptant en pile, hein, parce que envie des autres qui sont l'eau avant les autres, avant nous, qui fait que nous l'ajoutons là. On l'a mort. On l'a fait la jolle. On l'a passé péripétie. Et c'est ça qui fait que nous l'ajoutons là. C'est ça, ça très très important, ce qu'on dit là. Parce que, il y a toujours qu'à présenter nous, Guadeloupéens, qu'on capon, comme monde qui vide, qui pas n'y a rien. Mais ça, c'est un parti à peuple nous. Ce n'est pas peuple nous. Effectivement, ni des mouns ici, égoïste, hein, qu'est-ce dit, ventaille au plein, mais ou pas regarder plus loin qui n'est à yo. Parce que là, on va dans un pays et qu'on ne peut pas présenter un demain pour petit tao. Qui n'ont mouillé? Alors, ça qu'on veut dire, c'est que moi-même, on prend aura d'autres grands noms et envie rendre hommage. Quelles que soient les organisations, l'UPLG, Combat Ouvrier, tout le monde qui parlait de Guadeloupe en tant que Guadeloupe. Parce que nous savons très bien que nous ne pouvons pas mentir pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas français. Même si nous administrons pas français. Même si nous administrons par la France. Mais nous ne pas français. Et Guadeloupéens qui savent ça. Nous ne pouvons pas mentir pour nous-mêmes. Mais nous savons qu'ils ne pouvons pas mentir. Mais les autres, ils savent bien qu'ils ne pouvons pas dire ce qu'ils ont dit en français. Ils ont un passeport français. C'est uniquement. C'est comme si vous aviez passé phare, pommade, pour cacher ça qui est en bas. Mais tout Guadeloupéen sait bien qu'il y a Guadeloupéen. Alors, ça qu'on voulait dire et on voulait rendre hommage, c'est à tous ces avant nous là qui étaient là. À Jacques Nestor qui tombait, c'est pas sa victoire. À tout camarade. À tout le monde qui a eu. De toute façon, depuis le premier esclave là, le premier Africain là mettre pied ici, c'était là ça. La résistance commençait. Pas quoi que la résistance a commencé qui jour là. Hein? Non, il a toujours fait nous croire que nous pas naïen, nous pas guadeloupéens, c'est moun. Non, nous là, nous résilience. C'est un beau tellement haï. Nous résilients, nous là. Nous capons tout bite. Hein? Non. En cas quoi que, avec chemin là que nous avons passé là, derrière, à jour de là, même à génération en moins, on a eu l'occasion. Discuter maintes fois avec un grand monde. Et nous, on a envie de rendre hommage, c'est Gérard Lockel. Si qu'a permis de dénommer Noaï. Parce que son beau qui est tellement discret, qui est tellement à pas, mais on a envie de dire ça quand même. On a un certain nombre de monde qui compte, en cas de Gérard Lockel, qui pour moi sont un père spirituel. C'est un monde qui comprend grand bonheur, qui sens à un artiste dans le pays. Qui sens à ça nous a créé nous. Et c'est ça qui a fait que nous, c'est nous. C'est tout ça, nous avons créé. Et c'est vrai que, depuis pendant un temps, l'esclavage, nous n'avons pas été créés, nous sommes esclaves toujours. Parce que c'est la création qui a libéré les gens. Et ça qui a fait Jodla là, c'est une création à Guadeloupéen. Une création politique, une création, je crée les gens, mais c'est une création à Guadeloupéen. Si aussi, Tine de Guadeloupéen qui prend d'autres larelles, de la règle facile. Parce que je tout comprendre, nous tout qui là. Là, quand on regarde Ronald, Ronald sont fonctionnaires. Pourquoi? Alors, quand le monde a dit ici, alors il fonctionnait, il peut rester dans la fonction publique et qu'il manger à français. Mais à part ça, il voulait pour le visiter. À part ça, il voulait pour le pays là. Alors, contradiction à ce là, ça. Les autres ont dit, ah ouais, mais autres fonctionnaires. Mais, regardez bien qui monde qui a demandé pour le pays là, que le pays là ne font pas devant. C'est le monde qui le plus souvent. Nous travaillons, qui dans la fonction publique.
Mais yo savent aussi que si yo peut penser pour quoi yo pour mener pays à yo, yo peut faire avec sacrifice qu'il faut. Parce que ça moun paye ici. C'est que bateau pas rentré. Mais qui moun qui peut bateau pas rentré? Alors pas ni petit peuple et pas ni grand peuple. Seulement ni des petits leaders qu'on nous toujours tin ici. Qui a marché derrière l'Assemblée nationale française. Derrière, ils tout dans les partis français. Ils tout en marche au Modem, dans toute qualité parti en France. Qui ont voulu que yo gardent pays en nous, doit être en mi-temps, doit être en zier. Ce n'est pas possible, parce que toute parole qu'on prend, c'est parole rapportée qui est arrivée ici par bateau. Alors, sans envie de dire, un peu plus long que ça, parce que moi, convaincu, et depuis très très longtemps convaincu, que ni Guadeloupéens vaillants qui peut construire pays à yo. Et nous commençons tous les jours dans tous les domaines. Je dis, je petit en nous, yo brillant, yo fort, yo dans toute grande université, yo qu'a servi en tout pays à tout le monde, yo qu'a voyé au Canada, yo qu'a voyé en Autriche, yo qu'a voyé tout à tes côtés, mais jamais ici même. Et moi, en y la peine. Là, on a vu que n'importe qui est français qui a venu ici, qui a déposé sa valise et qui a joué le pays là. Alors, il faut que Guadeloupéens arrêtent mal parler d'autres Guadeloupéens qui voulaient que Guadeloupéens viennent Guadeloupe et que Guadeloupe viennent Guadeloupéens. Parce que, on a regardé la télé, on a écouté la radio, mais c'est Mouna qui a pris responsabilité à perdre le peuple, à mépriser les gens qui doubout en face avec les Français pour dire comme ça. Nous, c'est Mouna. Il faut prendre toute responsabilité à eux. Parce que nous pas en 46 encore. Je dis jour, si Mouna nous a réfléchi, et je dis jour, nous doubout. Nous doubout avec Marc à tout ça, il a fait nous. Mais ça ne peut pas dire éternellement. Encore vous venez si la NG et si qu'on voit la cafette là, pour me dire les camarades, vraiment, peut-être pas arrêter trop longtemps, comme on fait citer là ça, j'ai fait plus qui sera qui en fait encore. Mais si font partie des mains, qui partie content. Parce que, je suis là pas bout là, et même si vous voulez éteindre nous, vous pouvez j'en arriver à éteindre nous. Parce qu'il y a une celle là qui a clair dans tout le pays là. Merci un peu. Envie de présenter au monde. Un peu finissant pas dit ça. Excusez-moi. Hein? Envie de présenter au monde parce qu'il y a dans combat ni des frères vraiment qui c'est des frères pour moi personnellement qui a compté en pile. Parce que là où t'es prisonnier politique comme moi, et que sans jamais ni un chip ni un m'en fou, ou trouver d'autres noms à côté pour défendre vous, ou quasi ouais, en panier totalement tort, même si ni des mondes quasi en y tort dans un café là. Et des avocats, nous t'es bien ça, et nous trouver avocats qui étaient debout à côté en nous, et qui étaient toujours debout en pays là aussi, même avant nous, on voulait nommer. Et je qui applaudis très fort pour moi, mettez-le. Merci. Merci, Ampire. Camarade, on militant car restons militants. On l'idée car restons l'idée. Les ouvriers, c'est peuple là qui poigne et que peuple là qui a diffusé. En pâté, qu'a imaginé, quand tu es trouvé moins là ou soit là, mais toujours j'étais yé, toujours gardé, toujours espéré. Et on lumière vine, les ouvriers en vrai, Mathieu Abba, Charles Henry, à la télévision, on dit mimoun en moins. Sur 20 ans, moi, nous t'es comme ça. La Guadeloupe, longtemps, t'es plus avancée que ça.
Alors, en même temps, en rassurez-moi, parce qu'en tant de discours à yo, et yo dit que si nous comme ça, c'est parce qu'avant nous, tini moun ki goumé. Et ça vrai. Et ça vrai. Ça vrai que tini moun ki goumé et tini moun ki laissé vie à yo. Et là, on a pensé que il faut, ne serait-ce qu'à travers action que nous menons, à travers réussite que nous menons, que nous changeons, qu'avant nous, sinon le monde qui goûte. Mais merci, Zot, pour relais là que Zot apprend là. En cas de Zot, je te dis nous, parce que pas simplement parce que moi, Adam, mais parce que Zot trouve un nom qui a fait que c'est nous toutes qui avons porté cette idée là ça. Chaque monde a une histoire, yo, et moi, ni tant moins. Mais on peut dire que l'on a commencé à militer, c'est parce que en 1967, on était étudiant en France, et on entend que yo tiré sur le monde et que yo tué le monde en Guadeloupe. Et depuis jour là ça, on n'a pas gens arrêté militer, parce que c'était qu'on l'a à dans génération moins le moment où nous prenons conscience que le colonialisme français, que l'impérialisme français paraît à jouer sans bout pour pas perdre ni la Guadeloupe, ni la Martinique, ni les autres colonies. Et celle bitin que nous tenions devant nous, c'était la lutte. Moi, personnellement, en cabine d'une famille divisée, maman moi était communiste et papa moi était OPR à l'époque. Et en cas laisser les autres imaginer qui calter débat qui tenait à l'intérieur, mais on choisit maman moi et peut-être petit bon après on séparait moi d'elle parce qu'on rend moi compte que le parti communiste en période là ça pas été qu'à représenter ça la Guadeloupe était besoin comme représentation. Ça, la Guadeloupe, t'es qu'à représenter qu'on force et qui t'es faut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fort. Alors, c'est peut-être l'occasion de saluer aussi Joël et de saluer toute équipe à Joël. Saluer Luc, qui pour moi, quel que soit sa yopédi, a resté le plus grand patriote que ces derniers 10 années l'a porté. On peut pas d'accord éveil et on y des points où on pas d'accord éveil. On peut pas prendre tout ça Luc qu'a fait. Mais chaque fois Luc passait devant moi, c'est chapeau. Chapeau. Et on a senti et on a vu que parmi ceux-là, nous ni là, tini des dizaines de Luc qu'a monté. Des dizaines de Luc qui a monté. Et au moment où on a parlé moins apathique, Joël aussi, en rassuré parce qu'on a vu que ça a été faux fait, ils ont trouvé ça a été faux fait, et que actuellement, le groupe là que ils ont mis au point là, c'est un groupe qui, manifestement pour moi, qui a mené la Guadeloupe très loin. En cas dit ça, parce qu'on relevait 4 éléments qui sont fondamentaux. Premier élément qu'on voit, c'est un groupe modeste et mesuré. Il n'a pas qu'à clamer Fossaille, et c'est peut-être vertu à tous les monde qui font. C'est de ne pas dire qu'il est fort et laisser les autres dire qu'il est fort. C'est également un groupe qui est ouvert à la fois aux autres et aux idées, et qui peut combattre si les idées. C'est au niveau des idées guadeloupéens d'être combattre qu'on est là. Parce que ont capoté les idées d'avenir. Mais ils ne veulent pas imposer ta zote. Ils veulent discuter avec le monde pour convaincre que ta zote juste. Et c'est ça pour nous faire.
troisième élément qu'en cas vrai, c'est que ils ferment sur les principes. Ils ferment sur les principes. Trois principes. Liberté, dignité et responsabilité. Eh bien, paradoxalement, c'est le mot en dictionnaire français qui peut regrouper ces quatre vocables-là, c'est l'indépendance. J'en peux chercher l'azovlé et en convaincu que c'est ça, puisque tous les concepts regroupés dans seul mot là ça. Et c'est pour ça, nous, mon génération en moins, nous gourmets pour l'indépendance, parce que nous voulons que c'est mot d'ordre là ça qui permet de nous regrouper le maximum pour le peuple là. Et ça baille, ça baille, et ça baille nous. Ça baille nous. Alors, moi, en cas dit, à l'heure actuelle, en lit, projet là, en tout cas, les idées fortes, c'est des idées que tout le monde peut partager. Et encore, remercier les autres de Météo Douvant. En lit aussi, la façon d'Oni de déterminer les autres, excusez-moi, la façon d'Oni de déterminer les autres et la façon où vous avez obligé moi-même de déterminer moi et en cas remercier les autres. Zoni, un avantage qui est considérable, c'est parce que en cas senti, ils ont ouvert sur le monde et ils ont ouvert sur les autres. Merci de rappeler ça. Merci de rappeler toute génération en moi ça et merci de rappeler Zanmi Azot ça. Alors, tout à l'heure dans le programme là, en vrai que on a abordé un problème qui est fondamental, c'est le problème de l'eau. Et on a une anecdote à Bazot, ce problème à citerne là. Ancien président au club, Basté, le signe noir. Les mondes qui précédaient nous, yo investi et yo acheté un terrain, yo mettre des installations, nous n'y ont terrain football, nous n'y ont gymnase. Et depuis là, nous avons cherché de l'idée précisément pour faire progresser la jeunesse et mettre à disposition ces installations-là. Ça. Nous pas très aidés, mais nous n'y des idées. Et précisément, on l'idée qui vient de nous, c'est demander à la région une subvention de 4 000 € pour nous proposer des citernes, parce que nous avons un grand gymnase et de l'eau qui pète au moment où la pluie a tombé. Ils ont répondu nous que nous n'avons pas une micro-entreprise et que par conséquent, nous n'avons pas ni droit à 4 000 € là ça. Mais là, nous arrivons à dans façon que nous avons d'interpréter la loi française sans garder intérêt précisément à pays Guadeloupe. Oh, nous, nous t'ai dit que non seulement nous avons utilisé parce que nous avons un pays de sécheresse, mais ça qui est représenté pour les mondes qui alentourent nous et qui pas ni de l'eau, parce qu'en Guadeloupe, pas ni de l'eau, c'est ni de l'eau, mais distribution à de l'eau pas faite, nous qui mettons à disposition à eux également. Eh bien, jusqu'à présent, nous pas ni à rien, ils ont refusé nous la possibilité de faire installation à ça. C'est pour dire en qui j'en ai qu'à réfléchir sur devenir à la Guadeloupe. Alors, moi, en comptant, et encore remercier nous de non seulement créer une liste, mais d'accepter de mettre moi en troisième position, pas demander tout ça, mais en que gérer. D'autant plus qu'ils font des autres que en Jaffon cours au Conseil général, régional, pardon, 92-93. Sur liste à grand coup de main, en t'es élu. Et à l'époque, la liste à grand coup de main, t'es prévoit que les mondes t'es interchangeables selon intérêt à l'islam ou
stratégie à l'ISLA. Et moi, après 2 ans et demi, intérêt à l'ISLA, c'était de faire notre monde monter, notre monde qui était après moi, en démissionné, et l'autre monde l'a monté. Et on a pensé que c'est si bon comme ça pour nous envisager collaboration nous, en fonction d'intérêt à peuple, d'intérêt à l'ISLA, peut-être envisager aussi des éléments interchangeables pour permettre tout le monde de faire l'expérience de l'administration, même si c'est l'administration française, mais de faire l'expérience de l'administration et de vrai, en qui genre ça va fonctionner à l'intérieur de la région. Alors, merci, merci, et soutien très fort à Ronald, parce que Ronald Sombourg qui impressionnait moi, qu'a dit, l'a fait l'Ivaï là, et Ronald Sombourg, son travailleur, Sombourg qui aussi tient des idées bien arrêtées, qui nie en persévérance, et qui, surtout, ça qui n'a pas gâché les choses, Sombourg qui coule, on peut dire. Alors, c'est vrai, comme mot d'ordre là, ça n'a pas tant nous, mais moi, un mail, joue nous qu'elle mette à genoux, pas encore vos jours. Merci, Roland. En qui m'a des autres qui l'a levé. Pour nous faire 1 minute de silence. Nous commandons à tout qui l'a levé pour nous faire 1 minute de silence pour nous songer Régis Zébus. Régis qui quittait nous en début de la semaine là. C'est vrai que ça arrête en loin dans nous. Parce que Régis nous était vrai, en loin dans nous était vrai jouer à la présentation à l'ISLA, il venait vers nous. Nous pas qu'à attendre nous à un tel butin, mais on sait comme ça la vie. Et donc Régis nous a dit que nous continuions de travailler là. Merci, comment. Même Adam veillant, nous avons oui. Et ça a montré bien que nous pas des machines. Et bon, voilà. Nous perdons aux grands amis, aux camarades qui militaient avec moi, depuis l'antenne étudiant, depuis nous l'INEEG, à l'Union nationale des élèves et étudiants de la Guadeloupe. Et son camarade, depuis les premiers jours que nous lançons l'ANG, les premiers jours aussi que nous avons élection, il était là pour prendre un coup de main, pour mettre expertise à un service en nous. Il était à un poste qui est un peu délicat, donc il ne peut mettre les devants. Mais régulièrement, il était qu'à envoyer messages pour nous, il était qu'à envoyer dossiers pour nous. C'était moun en nous. Et il était fondamentalement d'accord avec l'initiative là, nous prenons là. C'était un homme Guadeloupe. C'est un militant Guadeloupe, non, c'est Régis Zébus. Merci, Baye. Après, il passe la parole à un morceau fait. Non, parole, quand il ne faut pas regarder, il ne faut pas regarder Goussa Pata Bouquet pour Baye porter charge. Bon, s'il n'a pas bien habité, mais pour charge, il peut porter charge. Nathalie Minacci. Quel honneur, on a ça bon dit, hein? Un peu porté charge, un gros pâte à bouquette. C'est ça on dit? On dote son sonné, on son qui a crié au vous, qui a crié au moins, on son qui a crié nous. Nous qui Guadeloupéens. Mais, l'homme n'a jamais dit nous ça, hein? Mais quand on a crié en Guadeloupéen, quand on a crié Guadeloupéen? Ou son Guadeloupéen, là où ça va, pays là, ça va parler pour Namao.
Là, vous savez, vous n'avez pas ni d'autre côté assis la tête pour sentir ou bien qu'il y a casa. Et ça n'a pas ni à vrai avec la peau. Non. Vous sont Guadeloupéens. Là, vous savez, vous êtes petit à Timoun qui subit abomination et l'exploitation à l'été là, ça. Qui vous êtes qui ont Kalina? Qui vous êtes qui ont Africain? Qui vous êtes qui ont Indien? Qui vous êtes qui petit à toutes celles-là qui sont sorties en Caraïbes là? Ou bien d'autre côté assis la tête? Pour chercher un divini ici dans son Guadeloupéen. On d'autres son sonné, on son qui a dit nous assez grand. Oui, nous assez grand pour nous décider ça nous n'y a fait nous-mêmes, dans le pays en nous quittant nous. Son là, ça c'est pour nous. La liste nous portera l'idée de la construction de la nation Guadeloupe. En nation, son terre, c'est nous, mes femmes, on qui le dit. Et ça, il y aura un destin qui est en nous toutes. Donc, nous allons mettre les moyens pour protéger notre terre des spéculations immobilières afin qu'elle demeure notre bien commun. Parce que capitaine en nous a dit, on peut sentir si on peut locataire. Nous allons mettre les moyens pour créer des conditions pour que notre jeunesse revienne et qu'elle s'épanouisse à d'un pays équitable. D'avoir un peuple sans jeunesse, son peuple zombie. Nous allons mettre les moyens pour que le système scolaire permette à nos enfants de grandir, chouquer à dans pays ayo et à dans la lirondage ayo, fier de sa yoye, et avec une ouverture d'esprit nécessaire pour yo vivre le monde, pour yo considérer le monde. Nous allons mettre les moyens pour que notre identité s'épanouisse, en établissant notamment, nous ne pouvons pas demander, nous ne pouvons pas. Et si nous ne pouvons pas faire en grand, nous pouvons faire marron. La co-officialisation de la langue créole en mettant notre culture à l'honneur tout partout. Mais évidemment, ça c'était le rêve, c'était la direction, c'est ça Patricia criait effectivement, le rêve. Mais évidemment, dans tout ça, nous n'avons pas envie de rêver, qu'il faut nous gérer la boutique, nous savons ça. Et qu'il faut nous répondre surtout à l'urgence à Guadeloupéen. Donc, nous qu'est mettre les moyens aussi pour nous gérer et pour nous apprendre à gérer. Nous pas dire qu'elle nous peut régler tout problème tout de suite parce que nous savons que c'est des moments problèmes qui pas attendent nous. Mais problème à de l'eau, problème à pollution, sargasse, chlordécone, et problème à déchets qu'elle nous a produit, problème à déchets que culture, que société de consommation là ça qu'a fait nous produit. Alors nous qu'est développer des activités économiques qui permettent nous effectivement de financer toute ambition en nous. Ambition en nous qui c'est des ambitions collectives. Fait que chaque Guadeloupéen, chaque Guadeloupéenne trouve place dans la société qui nie des valeurs morales de solidarité et de responsabilité. Nous qu'a considéré, moi qu'a considéré, et on l'a dans nous qu'a considéré, que l'économie capitaliste est une économie prédatrice qui nous entraînait vers la crise économique, écologique et financière mondiale que nous connaissons aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons défendu une économie sociale et solidaire qui a mis épanouissement à nos femmes en mettant à ça qu'a généré. Et cela en préservant donc l'environnement pour les générations futures. Nous développerons donc une économie inclusive, innovante, tournée vers la production locale et de proximité. Et donc pour cela, nous mettrons en place une agence régionale de développement qui accompagnera les collectivités, on a parlé de ça, pour effectivement faire en sorte que nous réussissons à nous café au niveau des collectivités, mais également tous les porteurs de projets pour leur garantir la pérennisation de leur activité. Nous ne pouvons pas parmi les meilleurs, parmi les gens qui ont créé entreprise, et là, regardez, on a l'entreprise en nous qu'à mort, parce qu'effectivement, les gens qui ont créé entreprise n'ont pas les outils qu'il faut et qui ont trouvé tout seul, effectivement, pour gérer l'entreprise. Donc, nous sommes occupés, nous, effectivement, que cette entreprise-là, ça, non seulement il y a un vrai jour, mais qu'elle est capable de grandir et développer. Nous donnerons la priorité à de nouvelles activités à forte valeur sociale et territoriale, c'est-à-dire que nous pouvons garder un qui commet l'argent en projet qu'a rapporté, un qui commet l'argent effectivement activité là qu'a rapporté. Nous donnerons la priorité aux projets en tenant compte de toutes leurs dimensions, notamment leurs dimensions sociales, sociétales et environnementales. Nous accompagnerons toutes les activités qui nous permettront d'avancer sur le chemin de la souveraineté alimentaire, évidemment, la souveraineté énergétique.
Et nous pouvons le faire en utilisant intelligemment nos ressources naturelles, notre biodiversité, notre géothermie, notre biomasse, parce que nous n'y soleil qui est gratuit, qui a produit biomasse pour nous aussi. Et concernant la souveraineté alimentaire, parce que je mets mon casquette à souveraineté alimentaire, nous savons tous, parce que nous l'avons entendu dire un jour ou l'autre, mais aussi parce que des études le démontrent, que 80% de notre alimentation est importée. Nous pouvons décider d'augmenter notre production agricole pour avancer vers ce chemin d'autosuffisance alimentaire. Et projet-là, ça, ben, il va dépendre de 3 piliers. Travail avec les producteurs agricoles, c'est-à-dire accompagner l'agriculteur, nous faire produire des manger qui sont bons pour corps nous et pour terre nous, avec des pratiques que nous avons créées agroécologiques, permaculture, agroforesterie, système polyculture-élevage, agriculture économe en eau, pour ne pas dire à chaque fois, c'est l'irrigation, etc. Donc, il faut nous aussi apprendre à travailler avec biodiversité en nous. Dans le pays, nous avons des plantes qui sont capables de supporter la sécheresse. En nous chercher, en nous trouver et en nous développer. Plutôt que nous allons planter des bitins qui ont consommé l'eau, des côtés, là, il n'y a pas ni de l'eau. Faire agriculteur nous produit manger, c'est aussi aider l'argent justement pour aider à dans transition là ça. Parce que transition là ça, c'est une transition qui a coûté l'argent. Donc ça aussi, nous pouvons mettre l'argent là il faut. Et nous pouvons prendre en compte le service que l'agriculteur a mené. Parce qu'un agriculteur, il n'a pas produit et qu'il mange. Il a produit également, il a aidé à lutter contre l'érosion. Il a permis fertilité à sol là. Il a permis également que l'air là, que nous avons respiré là, c'est un l'air qui est bon. Donc, tous ces bitins-là, ça, faut nous capables de prendre en compte dans le revenu agriculteur-là. Permettre l'accès aux moyens de production. Nous dit que foncier Guadeloupe, c'est foncier, c'est bien commun en nous. Eh bien, là, ça fait rester là. Faut qu'ils gèrent, par ça, il y aura créé l'ensemble des parties prenantes. Et gérer l'argent qui a sorti en dehors et qui arrive en pays en nous. Pour que l'argent-là, ça, serve nous. Et non pas pour que l'argent-là, ça, dicte nous, ça nous doit faire. D'abord, faut nous garder ce qui est bon pour nous, et après ça, nous allons chercher l'argent pour nous faire ça nous veille, j'en nous veille, puis qu'à servir nous. Faut pas l'argent d'erreur qu'à venir dire, qu'à pour faire à Kazao. Deuxième point, travailler avec les consommateurs. Ça, c'est important pour nous, nous allons responsabiliser les gens, conscientiser les consommateurs, faire l'éducation à la consommation et favoriser les circuits courts. Créer des débouchés importants et réguliers, comme par exemple les collectivités. Faut tout petit monde Guadeloupe capable de trouver dans l'école à yo, au manger qui produit pas loin des casailles. Il y avait un agriculteur qui travaille au roi casaille. Et enfin, l'organisation de services support adaptés, donc la création d'une autre agence de souveraineté alimentaire, celle-là, chargée d'organiser techniquement et financièrement notre souveraineté alimentaire et travailler avec la recherche, promouvoir la formation des acteurs sur les nouvelles pratiques. Donc, nous allons mettre en avant très fortement la responsabilité, la sobriété, par exemple la lutte contre le gaspillage et la prise en compte des enjeux environnementaux pour construire une agriculture qui soit, en qui osez dire, résiliente. Mola, Joël, pas aimé là. Et Joël, ni raison de pas aimer Mola ça, parce qu'il faut nous comprendre que Mola ça, ça veut dire accepter tout bitin. Nous pas qu'accepter tout bitin depuis non. Mais, les gens regardent normalement ça, Mola ça veut dire, résilience ça veut dire qu'ils sont capables d'affronter choc. Et c'est ça aussi pour nous comprendre, que nous n'avons ni choc à affronter, quel que soit. L'est-il, il est en nous là, nous n'avons des chocs à affronter parce que nous n'avons ça, nous avons créé des aléas naturels qui ont créé des risques. Donc, il faut nous capables aussi d'aimer des raids ou bouts, l'envoi nous tomber. Et c'est ça qui a créé un grand forcé là, les résiliences. Mais Joël, nous avons trouvé un mot créole pour nous dire ça. Donc, on a fini avec 3 mots. Accompagner, responsabiliser et avancer. Avancer. 3 mots clés qui permettent nous conduire projet politique en nous. Nous avons souhaité la mise en place d'une civilisation de la parole pour comprendre, accepter et participer aux évolutions futures. Nous avons souhaité une société qui a considéré tout timounaï. Et c'est comme ça que je dis là aussi, en que voyons belle force, en que dit yo merci, c'est moun là qui a fait traduction ben nous en langage des signes qu'il a, et c'est moun là aussi qui a fait des scripts pour nous. En société, en qu'est-ce qu'il y a aussi, et des spéciales dédicaces à mon amie Charlotte, qui est bienveillant. Bienveillant, ça veut dire qu'on peut chercher mon laïe, et on peut accompagner, et on peut aider à avancer, et on peut prendre temps à pour aller chercher, ou pas qu'un qui condamne et fouté à côté. Donc, c'est ça aussi nous qu'on espère. C'est ça nous avons commencé à faire. Notre programme est bâti à partir des travaux des cadences,
aussi là nous qu'a imaginer, nous qu'a construire un pays ensemble, mais ça qu'a prend temps et ça qu'a bailler des belles discussions. Mais c'est une formidable aventure humaine. Oui, définitivement, sont d'autres sons qui sonnaient. Donc on nous fait ça qu'il faut. On nous fait ça qu'il faut le 20 et le 27 juin 2021. Puis continuer sonner longtemps, longtemps, longtemps. Nous qu'a répondre présent d'avoir nous engagé. En passant, si vous nous dites nous ANAG, mais nous engagés, merci la mouvance jeunesse. Minou, et nous c'est en l'eau. Merci. Je vous mets pas crier les autres. Faut crier les autres et faut crier les gens qui ont vivi. Les gens qui sont vivi, ça, montez les autres, s'il vous plaît. Nous allons garder la distance de sécurité. Je savais que nous devons nous garder en distance. Et pas d'avoir, quand même, quand même avant l'humilité là, hein, pour dire les camarades, nous ne pouvons pas faire nos meetings comme ça, premier meeting à l'organisation. Nous les avons montés au papier, si vous perdez paix. Nous ne pouvons pas faire nos meetings comme ça, si chant à pays là, nous ne pas chanter en cœur, mais en nous, si cœur en nous, et pour nous lever, camarades. Oh, madame là, oh chanteur officiel à nous. Nous n'en chantons officiels là, merci. Nous allons lever pour nous, là qu'il faut. Nous allons lever d'ailleurs. Ah ben, d'accord. Donc, fais le point et fais la chanson. Je fais le point. Guadeloupéenne, Guadeloupéenne, Guadeloupe en danger. Nous ne pas arrêter comme ça. Faut nous mettre toute force en nous. À danser le combat pour nous résister. Mais jour en jour, l'ennemi a envahi nous. Faut nous faire attention, tant qu'à passer. Guadeloupéenne, Guadeloupéenne, nous toutes cadoubout, tout ensemble pour nous payer. Sauver le pays là, et donner liberté en nous. Sauver le pays là, et donner liberté en nous. Et donner liberté en nous. Nous, Guadeloupéens, toutes beaux. Ensemble, pour gagner fort, nous mettez ensemble. Passons nous à danser le combat. Ensemble, chômeurs, travailleurs, patrons, autonomistes, indépendantistes, nationalistes. Nous œuvrons à l'émergence de la nation Guadeloupe, pour nos enfants et pour nous-mêmes. I have a dream. La Guadeloupe aura de la pluie et du soleil. Je le vois aussi comme un endroit qui peut être très moderne. Le travail des Guadeloupéens soit reconnu dans tout le monde. Pour les personnes qui n'ont pas assez d'argent, faire un peu plus de bénévolat. Pour qu'on soit un peu plus autonome ici, pour qu'on ait notre propre président. C'est pays Guadeloupe qui vient. Construit Guadeloupe. Nous qui aux élections régionales en juin 2021.